Hey, what's up guys, bienvenue à tous et à toutes à la review du jeudi. Alors aujourd'hui, je fais une review qui a un rapport avec l'actualité. Dans quelques jours, nous allons avoir droit à la sortie du film produit par Michael Bay, Les Tortues Ninja, en VF, et Teenage Mutant Ninja Turtles, en VO. Donc voilà, alors... Là, je vais vous faire, donc ce sera une review en deux parties. Je vais vous faire la review de Donatello et après de Leonardo. D'abord mon préféré et après mon deuxième préféré. C'est les deux seuls que j'ai en figurine de cette édition-là. Et je vais vous expliquer ce que c'est après que cette édition précise. Donc voilà, donc ce sera une review en deux parties. Pourquoi ? Parce que là, on est dans la semaine où, avant qu'il sorte, le film. Et quand il sortira, le film, eh bien, vous aurez droit, le lendemain, à la review du deuxième, de la deuxième tortue. Voilà, tout simplement, c'est pour concorder avec ça. Au début, je voulais pas du tout faire une review sur ces figurines-là, mais en fait... Je me suis dit qu'on va jongler avec l'actualité. Tout simplement. Voilà, donc je vais commencer la review. Alors, exprès, je vous ai fait ce petit background. C'est voulu pour vous donner envie de regarder la prochaine vidéo. Alors, donc on a dit que Leonardo, on allait l'enlever. Donc, on l'enlève. Je ferai la review la prochaine fois. Voici Donatello. Alors, avant de commencer, comme une fois n'est pas coutume, on va regarder le packaging. Alors, je vais prendre la caméra et on va regarder ça sur toutes les coutures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette édition ? Cette édition, c'est la classique collection. Collection classique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette collection classique ? C'est tout simplement une édition, alors limitée, je ne suis pas certain, je sais que maintenant c'est un petit peu compliqué à les avoir et ça peut être assez cher pour les avoir maintenant. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est inspiré de la série originale de 1988, sachant que 1988 est ma date de naissance, donc c'est pas très récent, je peux vous dire que ça fait 26 ans que ça existe. Cette série-là. Après, la série est un poil plus vieille. Mais je vais pas m'attarder sur ça pour le moment. Peut-être dans la review de Leonardo. Alors, c'est une figure donc en 34 points d'articulation. Il y a bien sûr les 4 qui sont toutes plus ou moins rééditées comme on a pu les avoir à l'époque de la première diffusion et la première fois que ça a été vendu. Donc là, ici, on voit bien que inspiré de la série TMNT d'origine, 1988. Je vais vous lire vite fait ce qui est marqué. Hein. C'est intéressant. Les Tortues Ninja sont de retour avec des figures collectionnables d'une qualité jamais égalée, avec 34 points d'articulation, d'armes spécifiques et de base dans les égouts. Ces grands classiques du dessin animé de la vieille école vous feront crier « Kowabunga !» À propos des tortues, propulsées de la bande dessinée à la starisation des dessins animés, Murakami Wolf Swenson, NWS, la série des Tortues Ninja a été diffusée pendant presque une décennie, 1987 à 1996, et est restée numéro 1 pendant 5 ans d'affilée, comprenant plus de 190 épisodes. Ces adolescents rigolards et bagarreurs sont toujours connus dans le monde entier et affectueusement aimé de leurs fans avec toutes les parts de pizza. Voilà. Alors, on peut voir que c'est une édition avec plusieurs langues. On a droit à l'anglais, bien sûr, l'allemand, l'espagnol et l'italien, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, le français. Donc, on va poser ça ici. Hop. Je vais vous cacher la vue de mon téléphone. Je crois que vous en fichez. Donc, on va commencer donc par la figurine, mais avant toute chose, avant qu'on commence par la figurine, on va commencer par le petit socle.
Donc ici, nous avons un socle avec une numérotation habituelle 2012. C'est une édition de 2012. Donc ici, nous avons le nom du personnage qu'on a choisi. Le nom de la série, bien sûr. Ben voilà. Donc ça fait très style bouche d'égout. Donc ici, on a deux picots pour pouvoir en fait accrocher la figurine. Là. Et voilà. Après, on peut la mettre dans la position qu'on veut. Elle tient assez bien. Après, bien sûr, c'est faut faire attention au centre de gravité de la figurine pour ne pas la faire tomber en arrière. Forcément, si je mets là, elle va forcément tomber. C'est quand même logique. Donc voilà. Alors, on va bien regarder. Déjà, on va regarder l'arme. Après, on va s'arrêter. L'arbre, bon, c'est un bâton. Alors, ça s'appelle un bow. C'est voilà. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire sur le bâton. Hein. Il est bien fait. Hein. Après, donc, comme les éditions d'époque, on peut le mettre derrière. Donc, pour le moment, on va le laisser derrière pour ne pas qu'il nous gêne. Donc, voici la figurine. Alors, comme il disait, 34 points d'articulation, c'est-à-dire qu'on a droit à les orteils, donc après on a droit aussi aux pieds, aux genoux, aux jambes, sachant que la jambe elle fait du 360 voire plus, enfin elle fait maximum 360 forcément, mais c'est à l'infini je veux dire. Voilà, pareil, tout est entièrement, bon, c'est pas vraiment du bol joint, c'est juste une articulation. Là par contre c'est du bol joint. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, il peut faire le 30 écart, il peut faire ce qu'il a envie. Vous voyez. Pareil ici. C'est un bol joint avec une articulation comme ça. Ici articulation aussi. Donc ici nous avons aussi chaque doigt qui bouge. Chaque doigt il bouge pour pouvoir afin de tenir l'arme en fait. Hein, tout simplement. Pareil ici. Et après, nous avons la tête. Alors, la tête, c'est peut-être l'élément qui bouge le moins. Parce que là, je suis au maxi. Là, je suis au maxi. Là, je suis au maxi. Il peut faire, bon, voilà, hop, je lui ai cassé le cou. Voilà, c'est bon. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est, je veux dire, pour la tête, c'est très, très limité. Mais par contre, là où ils se sont un petit peu rattrapés, disons que ça limite la tête. Mais ici, nous avons le buste, en fait. Qui a une légère articulation. C'est limite en fait un beau joint ici, voilà. Un énorme beau joint qui fait l'articulation. Hop. Alors comme je vous disais, il est très, il peut vraiment très 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 bien bouger parce que tous ces points d'articulation font que ben, la figurine est vraiment vraiment sympa. Alors je vais baisser la caméra, pac, tac, ici comme ça, vous allez voir. Par exemple, ben, admettons il fait un coup comme ça, paf, hop, par exemple vous pouvez le faire tenir comme ça, bien sûr je vais essayer de vous montrer un truc sympa et je vais pas y arriver, voilà. Donc là, il fait Matrix, hein, si vous voulez. Il évite les balles. Non, c'est la figurine est vraiment, vraiment très sympa. Les couleurs, comme vous avez pu le voir, sont mais vraiment sympa. Vraiment très sympa. Alors, peut-être dans la... J'ai l'impression que ma caméra... Enfin, moi, sur l'écran de ma caméra, j'ai l'impression que ça fait... le violet de Donatello fait un peu bleu. Mais après, peut-être que dans la vidéo, vous verrez pas. Mais moi, sur l'écran de la caméra, ça fait un peu bleu. Mais c'est pas mal. Enfin, moi, je veux dire, quand on l'a sous les yeux, les couleurs sont vraiment belles. Les petits reflets sont vraiment sympathiques. Moi, ça fait un côté très figurine d'époque. C'est vraiment, voilà, c'est... je dirais que c'est une figurine d'époque. Réalisé à l'heure actuelle. Voilà.
avec la technologie actuelle. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un truc super sympathique. Vraiment, ben voilà. Je suis pas un gros fan de Teenage Mutant Turtle. J'ai craqué comme ça parce que j'ai un pote, il avait réussi à se les acheter sur internet et une semaine ou deux après, il était un peu dégoûté parce que c'est arrivé en France. Et du coup, il avait. Il a perdu un petit peu d'argent, mais bon. Je fais un petit clin d'œil à lui. Mais malheureusement, il a. Après, il s'est acheté les autres. Il s'est acheté deux, et puis après, il a pris des éditions françaises, qu'ils ont en fait, c'est les mêmes éditions. Il n'y a pas de changement d'édition, contrairement à tout ce qui est Lego ou autre. D'habitude, il y a des changements d'édition. C'est pas les mêmes, je veux dire, mais là, c'est exactement les mêmes. Ils ont fait tout pareil. Et c'est sorti avec, avec la nouvelle série à ce moment-là de 2012. C'est sorti avec les jouets de cette époque-là. Mais ils ont voulu faire un petit hommage peut-être. Peut-être que c'était pour concorder avec la sortie du film, dans le sens où à ce moment-là on apprenait que le film était en production. Peut-être c'était pour ça, je sais pas. C'est des suppositions. Mais je veux dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la figurine. Donc c'est vrai que ce sera une vidéo un peu courte. Je vais la faire en deux parties quand même. Leonardo, ça sera pour jeudi prochain, pour concorder avec la sortie du film. Mais voilà, pour Donatello, c'est terminé. Je vais vous faire vite fait son histoire si vous la connaissez pas. Alors Donatello, c'est un peu l'intellectuel de la bande. C'est l'intellectuel, un peu le pacifiste. Vous savez qu'il a un bâton, c'est peut-être l'une des armes les plus puissantes, dirait-on, le beau. Mais c'est plus le pacifiste de la bande. C'est vrai qu'il est capable de prendre... c'est un peu le MacGyver des Tortues Ninja. Il peut transformer n'importe quoi. Il peut fabriquer un avion en réaction avec une pizza et deux olives. C'est une petite blague, bien sûr. Donc voilà, pour Donatello, c'est peut-être un peu succinct, mais c'est en deux parties, comme je me répète encore une fois, c'est en deux parties, et vous aurez le complément jeudi prochain. Donc voilà. Que dire d'autre? Je dirai ce que j'ai à dire à la deuxième partie, que je vais faire de ce pas, et vous l'aurez la semaine prochaine. Et donc, pour le moment, je vais couper, et je vais vous dire bye bye. À la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, faites des commentaires, partagez. Merci beaucoup.